Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc en fait, je voulais faire un apron en papier avec le dice que m'avait gentiment offert Séverine Battista, que je te remercie d'ailleurs, encore une fois. Et du coup, en fait, j'ai utilisé ce que j'avais acheté sur Craftelier. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour enlever les petits bouts de papier. Et en même temps, il y avait un pic et une petite spatule. Et franchement, je suis contente. Ça, j'utilise vraiment. Mais bon, du coup, pour ça, je trouve que c'est un peu galère. J'ai bien galéré. Et en fait, j'ai même pas fini. Ouais. Et du coup, je me suis souvenue que j'avais acheté cette plaque en métal. Pour les dice difficiles. Après, bon, dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à en enlever, mais bon, je voulais tester avec vous et je sais que Gaëlle, tu voulais voir comment ça marche. Des fois, j'oublie, je demande qui veut voir et après, j'oublie, j'ai tellement de trucs à faire que après, au final, je sais plus quoi faire, ce que j'ai à faire. Donc, du coup, alors, normalement, moi, j'utilise plus cette. Cette Big Shot, j'ai la A4. Mais bon, sur mon bureau, là, c'est mort. Je peux pas la mettre. Et franchement, je regrette pas mon achat. Hein. Franchement, c'est super pratique, là. La A4. Donc celle-là, du coup, il faut que je la mette en vente. Je vais la vendre. Alors, j'ai pas encore testé. Hein. Qu'est-ce que je fais? Donc faut mettre la plaque. Donc faut mettre ça. Après, je ne sais pas si. En plus, ma plaque à gondole. Je vais devoir me mettre debout si ça va passer. Donc faut mettre cette plaque. Je l'avais achetée sur AliExpress. Bon, j'espère que ça va fonctionner. J'arriverai mieux à enlever les bouts de papier. Et après, on remet la plaque. Bon, c'est dur. Hein. Bon, ça m'a l'air de passer. Et c'est là qu'on tombe. Oh! C'est là que j'ai tout cassé. Et je ne peux plus rien vendre. Bon, de toute façon, mes plaques, elles sont bien mortes. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, on va voir. Alors. Waouh, c'est joli. Donc, c'est normal que ça marque. Hein. Donc alors, oh, ah ben déjà, comme ça, oh, vive le nettoyage après. Oh, c'est cool, hein. Oh, franchement, ça marche carrément mieux que, ouais, que sans, parce que celle-ci, non, non, ça n'a pas fait ça. Ah, c'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Il n'en reste pas beaucoup. Je ne sais jamais dans quel sens le prendre. Donc il y en a encore des petits qui. Sont quand même bien
bien accroché celui-là. Ouais, franchement, ça. Non, c'est cool. Ouais, pour ce dice-là, c'est. Je sais que j'en ai un autre plus difficile que celui-ci, mais. Bon, lui, c'est encore plus chaud parce que il y a encore les bouts de. Les papiers à l'intérieur. Parce que ça, c'est du AliExpress, mais ça, c'est pas un dice AliExpress. Je sais pas si c'est pas un Kazzy Art que tu m'avais acheté, c'est la même. Bon, je finis. Il n'en reste pas beaucoup, hein. Bon, voilà, j'ai fini. Bon, bah, du coup, je suis contente, hein. Bon, finalement, bah, ça sera pas un achat inutile. Je sais pas, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez aussi. Et ce que vous en pensez. Non, bah, perso, pour ça, non, je suis contente. Ah, vu comment ça s'est enlevé, là, tout ça, là. Ah, ouais. Donc voilà, bah Gaëlle, hein, dis-moi. Dis-moi ce que t'en penses. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et à vous abonner. Au revoir et à la prochaine.